Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va pas faire une réparation, mais je vais vous montrer une petite astuce pour pouvoir tester les iPhones. Je sais pas s'il y en a qui connaissent, sûrement qu'il y en a qui ne connaissent pas. Donc voilà, toujours dans l'esprit de partage, on va vous expliquer ça. Donc aujourd'hui, c'est un 12 Pro Max. Il va très bien, il fonctionne très bien. Je l'ai passé en 512 Go, donc du coup, il va bien. Je sais qu'il n'a pas de problème. Moi, j'ai déjà tout testé, mais il existe un outil officiel d'Apple pour pouvoir diagnostiquer et tester un peu les téléphones. Donc, on va vous montrer tout ça. Je vais bouger les caméras pour pouvoir vous montrer l'écran du téléphone et pas faire comme ça à chaque fois. Donc voilà, on va parler du mode diagnostic de l'iPhone. Et puis je vais vous montrer les manipulations à faire pour pouvoir tester les téléphones. Allez, on se retrouve tout de suite. Voilà, j'espère que la caméra comme ça va aller. Donc, on est bien sur le 12 Pro Max. Il est tout réinitialisé, il n'y a vraiment aucune donnée dedans, mais ça n'importe peu pour ce qu'on va faire. Donc, première chose, il faut savoir que Apple peut faire des diagnostics sur le téléphone. Il faut pour ça mettre le téléphone en mode diagnostic. Donc, le mode diagnostic, c'est pas vraiment compliqué. On éteint le téléphone. Voilà. On l'éteint complètement. On attend quelques secondes qu'il soit bien bien éteint. Alors, on va dire une dizaine de secondes. On attend qu'il soit éteint. On va appuyer sur volume plus et volume moins en même temps. Volume plus, volume moins en même temps. On va le brancher. Là, j'ai mon câble, il est branché à l'ordinateur directement. Pas en charge, mais à l'ordinateur. Je le branche. Et dès que je vois la pomme, je lâche mes boutons. Voilà, hop, j'ai la pomme. Je lâche mes boutons. Je le laisse brancher. On va attendre qu'il démarre. Et quand il aura démarré, il sera en mode diagnostic. Ça devrait pas tarder. Donc volume plus et volume moins en même temps, simultanément, on le branche et dès que on voit la pomme qui apparaît, on peut lâcher. Voilà. Donc là, je vais le brancher, je le rebrancherai après. Donc là, on est en mode diagnostic. Il faut savoir que on peut, en appuyant sur le petit i qui se trouve ici là, en bas à droite de l'écran, vous pouvez voir le numéro de série du téléphone, l'IMEI, le numéro de série, tout. Hop, voilà. Ensuite, il faut lancer une page internet et se rendre sur le site getsupport.apple.com/service-self-service-diagnostic. Je vais vous le mettre. Alors, hop. Voilà. Donc, le site. Vous voyez l'adresse ici, c'est le site officiel d'Apple, bien évidemment. Donc du coup, on branche le téléphone, on fait Start Session. Alors non, avant de faire Start Session même, il va falloir noter le numéro de série. Donc du coup, hop. Alors, je vais le connecter à ma Wi-Fi, je vais enlever le... J'espère que je vais pouvoir le rechoper le numéro de série. Sinon, bah, je vais tricher, mais. Il faut appuyer sur le petit i en bas pour avoir le support. Donc voilà, là il faut accepter les termes d'utilisation. On est d'accord. Voilà, on a le 12 Pro Max, il est là. Alors, on va cliquer sur Continuer. Voilà, on choisit un iPhone ou un Mac. Et on va taper le numéro de série. Voilà, j'ai tapé le numéro de série. On démarre la session. On
On attend, on laisse charger. Voilà. Donc, il y a plusieurs tests. Là, en réalité, pour l'instant, selon les tests qu'on fait, on n'a pas besoin de toucher le téléphone. On va faire par exemple, on va commencer par le premier, hein. Inspecteur des ressources mobiles. Outil de tri initial permettant de vérifier la version du logiciel de l'appareil et de valider la présence des composants matériels. Donc, on lance le diagnostic. Exécution. On laisse tourner. Là, pour celui-ci, il n'y a pas besoin de toucher le téléphone. Je ne sais pas si vous voyez la petite barre de protection, de progression, pardon, voilà, qui est en train de monter. Déjà, voilà, il me trouve un problème sur le logiciel, mais en fait, voilà, rien de grave. Il me dit que le téléphone est en 17.5.1 et qu'il y a des versions plus récentes, donc qu'il faudrait mettre le téléphone à jour. Voilà, il continue, hein, on voit la barre de progression qui avance. On va le laisser terminer, on va regarder les résultats. Donc il faut savoir que sont compatibles les appareils en fait qui sont pris en charge par le service self-repair de Apple. Donc en fait pour l'instant les iPhone 12 et au-dessus, donc 12, 13, 14 et 15. Ça ne marchera pas sur un X, ça ne marchera pas sur un 11. Et pareil, ça fait la même chose sur les MacBooks. Il faut au minimum, si je dis pas de bêtises, Sonoma et je sais plus exactement les MacBooks qui sont pris en charge, mais quand vous allez sur le site, c'est marqué directement. Voilà. Donc là, il a fini le test. Il me dit que Apple Pay va bien, que l'état de la batterie est correct, le Bluetooth fonctionne, caméra fonctionne, bande passante, etc. Voilà. En tout cas, les composants sont dans l'appareil et à première vue sont fonctionnels. Maintenant, la caméra, il ne peut pas me dire s'il y a une tache sur mon objectif. Ça, il ne peut pas le voir. Il faut un œil humain pour vérifier ça. Mais ils y sont dans les autres. Donc. Là voilà, on a fait inspection des ressources mobiles. On va faire le test audio. On devrait, je pense. Il nous demande de retirer les étuis de protection, etc. Donc voilà, on entend le son. J'espère que vous l'entendez. Là, je pense qu'il va nous demander, est-ce que nous, on l'a entendu? Il va tester tous les écouteurs, les haut-parleurs, etc. Voilà, le son a-t-il correctement été diffusé par le haut-parleur inférieur? Donc oui, on l'a bien entendu. Ah, je sais pas si vous l'entendez. Le son a bien été diffusé. Oui. Voilà. Et donc en fait, vous allez avoir toute une panoplie de tests comme ça. On va pas tous les faire, mais vous pouvez aller dans ces réglages-là et regarder un petit peu tous les tests qu'il y a. Ça permet quand même de tester complètement le téléphone. Il va y avoir des tests pour l'écran, voir qu'il n'y a pas de pixels morts, que le tactile fonctionne bien de partout. On va le laisser terminer. Le son a bien été, oui. Donc voilà, comme je disais, vous avez des tests de tout, de l'écran, du tactile, des sons, des boutons, des caméras, etc. Alors, il nous dit toujours que le logiciel n'est pas à jour. Mais en tout cas, audio, capteur, tout va bien.
Et donc vous avez voilà les anomalies de couleur de l'écran, le tactile, le multitouche, le Face ID, la qualité d'image et tous les tests qu'on a déjà fait. Donc voilà, une fois que c'est terminé, vous pouvez, je vais hop, débrancher, end testing, voilà, all test complété. Et là du coup, bah, vous n'avez plus qu'à éteindre l'appareil ou le redémarrer, voilà, exit. Est-ce que vous êtes sûr de quitter le mode diagnostic? Hop. Et bah, le téléphone va redémarrer en mode normal, pour une utilisation tout à fait normale. Donc voilà, j'espère que cette petite astuce vous aura été utile, vous permet de tester voilà, les téléphones complètement. Si vous voulez acheter un téléphone, vous pouvez le tester avant de l'acheter, ou si vous êtes un professionnel que vous voulez le revendre, au moins vous pouvez tester que tout fonctionne bien avant de pouvoir le mettre en vente, ou après une réparation, tester que vous avez tout bien rebranché, que tout fonctionne bien. Vous pouvez utiliser le site officiel d'Apple pour pouvoir tester votre appareil. Voilà, je vous mettrai le lien dans la description. Et puis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et en attendant, prenez soin de vous.